Vous vous êtes sûrement déjà demandé comment les bijoux en diamant Cellini sont créés. Le métier de diamantaire est un métier qui requiert de la précision et un savoir-faire. C'est un métier polyvalent. Comment se déroule la fabrication d'un bijou Cellini? Étape 1, création du design du bijou en diamant et son prototype. C'est l'étape de la création du design du futur bijou en diamant. On dessine et imagine ses courbes. On crée également son prototype. Étape 2, sélection du diamant. Chez Cellini, nous sommes avant tout diamantaires. L'étape de la sélection du diamant parfait pour ce bijou est très importante. Étape 3, création des moules. Une fois le prototype finalisé et validé, il faut fabriquer un moule de la forme du bijou. Ce moule permettra de couler le métal précieux dedans afin qu'il prenne la forme du bijou. Étape 4, le coulage. Le coulage consiste à prendre des « billes » de métal précieux et à les faire chauffer puis couler dans le moule. Étape 5, découper, limer, sertir et polir. Une fois le moule refroidi, il est cassé et nous découvrons le bijou en métal précieux. Il passe alors dans les mains des artisans joailliers qui vont découper, limer, sertir le diamant et polir le bijou pour faire ressortir sa brillance et son éclat. Étape 6, une personnalisation avec une gravure. Chez Cellini, vous pouvez graver ce que vous souhaitez sur votre bijou. Cette gravure est offerte. Étape 7, un dernier contrôle de qualité. Entre chaque étape, les bijoux Cellini sont soumis à un contrôle de qualité. Le dernier est fait de manière minutieuse afin de repérer le moindre défaut possible. Étape 8, le bijou en diamant dans un magnifique écrin Cellini. Enfin, le bijou est ensuite présenté dans un magnifique écrin Cellini. Vous pouvez récupérer votre bijou dans l'un de nos showrooms ou bien nous vous l'envoyons directement chez vous. Consultez-nous pour plus d'informations sur la création des bijoux en diamant Cellini.